Mon amour. Tu m'avais tellement manqué. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Donc il s'agit de ma routine du soir, ma routine du travail du soir après les cours. Voilà, j'ai décidé de vous faire cette vidéo. Donc après m'être littéralement vautrée dans mon lit, je check les réseaux sociaux, donc Instagram, Twitter. Oui, je suis sur Twitter maintenant, vous pouvez m'y rejoindre. Voilà, ça fait du bien un peu de se détendre après cette dure journée de cours. Je regarde aussi des vidéos sur YouTube parce que j'adore les vidéos YouTube. J'ai aussi vu qu'on avait passé la barre des 3600 abonnés, je vous remercie tellement de fois, je suis tellement contente. Ensuite, je prends quelque chose à boire parce qu'il est important de s'hydrater quand on travaille, donc là c'est du Coca Life. Et je me prends aussi quelques crackers. Je range mon bureau parce qu'il est souvent en bazar et du coup j'aime travailler dans un espace propre, aéré, voilà, où je peux m'étaler à ma guise. J'allume ma petite lumière et une petite bougie d'ambiance, voilà, pour me mettre à l'aise. J'attache mes cheveux parce que je ne supporte pas travailler avec mes cheveux dans les yeux, je trouve ça juste insupportable. Donc je me fais un gros chignon pour maintenir toute ma touffe en place et qu'elle ne vienne pas me déranger pendant mon travail. Ensuite, je coupe le son de mon ordinateur pour ne pas être dérangée, ainsi que celui de mon téléphone portable. La seule musique que je m'autorise, c'est une musique de concentration. Voilà, je l'aime vraiment beaucoup, elle me permet de rester concentrée pendant très longtemps. Je check ensuite mon planner, voilà, mon calendrier sur mon ordinateur. Ça me permet de voir où est-ce que j'en suis dans mes rendez-vous, dans mon organisation pour les cours. J'y ajoute les nouveaux événements que je dois programmer. J'aime beaucoup cette application parce qu'elle se synchronise avec mon iPhone et c'est ultra pratique. Ensuite, je fais bien évidemment ma to-do list, voilà, ça permet de rester hyper organisée, de savoir qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui et où est-ce que j'en suis. Je sors ensuite toute ma collection de crayons de toutes les couleurs pour pouvoir écrire. Et je commence, en fait, je fais un style de résumé de mes cours où je note en fait vraiment les éléments très essentiels que je dois vraiment apprendre par cœur. Ça me permet de retenir un peu le plan de mon cours et d'être vraiment plus efficace. Voilà, je sais que dans telle sous-partie, il faut que j'apprenne telle notion. Et c'est vraiment ma façon à moi de travailler. Je travaille aussi avec le livre et avec mon code. Donc là, c'est mon code des obligations et mon code civil. CCCO annoté, gros livre comme on peut le voir. Voilà, donc je vais lire les articles qui correspondent à mon cours. Bien sûr, je bois mon coca que je me suis préparé tout à l'heure. Ensuite, je lis mes définitions. Voilà, j'aime me faire des listes de définitions à savoir par cœur. Donc là, j'essaye de les apprendre par cœur pour pouvoir les retenir pour l'examen. Et je fais aussi des flashcards. C'est super pratique quand on a des choses à apprendre par cœur comme ça. Et puis ça s'emmène partout, c'est vraiment ultra pratique. Ensuite, je m'autorise une petite pause de réseaux sociaux, donc je regarde les stories. Donc là, c'était celle d'Adriano. Coucou Adriano, si tu passes par là. Une fois que j'ai terminé de travailler les cours de ma journée, je dois m'attaquer à mon travail de pro-séminaire, voilà, que je dois rendre. C'est genre un mini-mémoire, ça demande beaucoup de rédaction, beaucoup de recherche, beaucoup de temps, c'est vraiment très fatigant comme travail. Mais bon, il faut le faire. Moi, mon sujet, c'est le Brexit, donc c'est un sujet d'actualité qui est vraiment hyper intéressant, donc ça passe un peu mieux. Mais c'est vrai que c'est vraiment un gros travail et c'est vraiment très fatigant à rédiger. Voilà tout le monde, c'est tout pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. J'aime beaucoup regarder des study routines, voilà, ça me donne un peu des idées de comment travailler et tout. Et je trouvais que c'était l'occasion d'en faire une, surtout qu'il n'y en a pas, du moins je n'en ai pas vu en français. Donc voilà, j'aime beaucoup regarder ces vidéos, ça me donne une motivation à aller travailler. Et du coup j'espère vraiment que ça vous aura plu aussi. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu si tu as envie de voir plus de vidéos dans ce genre concernant mes études, comment je travaille, comment je m'organise. Je pourrais vous-même vous faire des study sessions, genre je travaille vraiment, puis comme ça on peut travailler ensemble. Vous voyez, vous la regardez, vous travaillez en même temps que moi, tu m'as compris. Donc voilà, je pense que ça pourrait être super sympa d'axer un peu ma chaîne aussi un peu là-dessus sur mes études. Parce que oui, bah, je fais des études en plus de YouTube, donc j'aimerais partager ça aussi avec vous. N'hésite pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Twitter, et bien évidemment à t'abonner, ça me ferait ultra plaisir. Voilà, si tu tombes sur ma chaîne, bah abonne-toi parce que on sera une grosse communauté après, on fera tous les fifous ensemble et ce sera tellement bien. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo, bye tout le monde. Petite précision, je crois que ça se voit en fait que je suis étudiante en droit, j'ai des grosses cernes et ça ressort vachement la caméra. Voilà, donc rien que pour ça, t'es obligé de t'abonner pour me soutenir. Ouah, les cernes de fou !